Dans la dernière journée de Ligue des Champions qui a disputé Paris Saint-Germain, sauvé un nul difficilement et qualifié pour les huitièmes de finale. Et Barcelone tombé à l'extérieur, 3-2 par Royal Antwerp, il toujours été en première position. De l'autre côté, la loi Vinicius Junior est désormais officielle au Brésil pour lutter contre le racisme. Et Paul Pogba pourra le comparaître devant la justice antidopage italienne le 18 janvier 2024. Madame, messieurs, m'invitez au Chita, m'bral capable plus de détails et partager avec vous l'autre information. Madame, messieurs, gros bonsoir pour nous toutes. Moun kap pale a c'est chacun Joseph. Déjà, moun dis bienvenue pour une nouvelle sortie. Mais avant de partager l'information avec vous, Mademoiselle, s'il vous plaît, encouragez le travail là pendant que vous vous abonnez avec la page là si vous pouvez faire ça. Activez la cloche notification, mettez-le sous tout pour ne pas rater aucune vidéo. Quittez un like en bas de la vidéo ça. Dites ça vous pensez dans l'espace commentaire là vraiment important. Et partagez la vidéo ça dans tout groupe et dans l'autre page. Madame, messieurs, nous marquons une pause. Nous tournons pour développement information. Yo. Guy Fashion, maison de bijoux personnalisée. Fait ménage, madame ou bien zami ou surprise avec un bel bijou. Pour contact, Cap Haïtien, rue 20 et 21A, téléphone 609 44 24 54 54. États-Unis, Fort Lauderdale, plus 195 46 99 40 90. Viens joindre nous. Madame, messieurs, nous retournons après pause là. Nous remercions pour patience et fidélité. Très rapide, à nous entrer dans le détail information. Dans la 6e journée de Ligue des Champions qui a disputé mercredi 13 décembre 2023, mais comment l'y présenter? RB Leipzig fait tomber Young Boys 2-1 et 3 Louches de Belgrade tomber la Kaili par équipe Manchester City à 3-2. Atlético Madrid fait tomber Lazio 2-0 la Kaili. Celtic fait tomber Feyenoord 2-1 la Kaili. Borussia Dortmund fait un but partout avec Paris Saint-Germain. Alors, on est capable de dire Paris Saint-Germain champion nil difficilement et les qualifier. Et nous gagnons Newcastle qui tombe la Kaili 2-1 par équipe Milan ACA. Après, équipe Newcastle la tape mené 1-0. Royal Antwerp fait tomber équipe barcelonaise la Kaili 3-2. Et gagne Porto qui crase Shakhtar Donetsk ou bien capable de pulvériser 5-3. Et madame, messieurs, ça n'a pas empêché Porto également Barcelone qualifié. Rapide, madame, messieurs, on a loué comment groupe yo terminé. Dans le groupe EA, Atlético Madrid finit avec 14 points plus 11. Lazio de Rome finit avec 10 points plus 0. Feyenoord 6 points moins 1. Celtic 4 points moins 10. Dans le groupe F, la Borussia Dortmund terminé avec 11 points plus 3. Paris Saint-Germain finit en deuxième avec 8 points plus 1. Milan AC finit en troisième avec 8 points moins 3. Newcastle terminé avec 5 points moins 1. Alors, on est capable de dire, madame, messieurs, Milan AC pral jouer Europa League. Dans le groupe G, à Manchester City finit avec 18 points plus 11. RB Leipzig 2e avec 12 points plus 3. Young Boys 3e avec 4 points moins 6. Et 3 Louches de Belgrade 4e avec 1 point moins 8. Dans le groupe H, la Barcelone terminé en première position avec 12 points plus 6. FC Porto fini en 2e avec 12 points plus 7. Shakhtar Donetsk fini en 3e avec 9 points moins 2. Royal Antwerp finit en 4e avec 3 points moins 11. Le classement buteur, madame, messieurs, mais comment l'y présenter? Alvaro Morata inscrit 5 buts, Erling Haaland gagne 5 buts, Højlund gagne 5 buts, Julian Alvarez gagne 4 buts, Evan Nilsson gagne 4 buts, Gabriel Jesus gagne 4 buts, Antoine Griezmann gagne 4 buts, Jude Bellingham gagne 4 buts, Openda gagne 4 buts, Harry Kane gagne 4 buts, Oselu gagne 3 buts, Siro Immobile gagne 3 buts, Joao Félix gagne 3 buts, Joao Mario gagne 3 buts, Bukayo Saka gagne 3 buts, Phil Foden 3 buts, Danilo Sikan 3 buts, Mendes 3 buts, Kylian Mbappé 3 buts,
Rodrigo Gores, 3 buts. Lucas Leraguen gagne 3 buts. Madame Messieurs, gagne 96 matchs qui jouent dans la Ligue des Champions. Gagne 265 buts qui inscrits. Gagne 383 cartons jaunes qui distribués. Et gagne 18 cartons rouges qui distribués. Victoire à domicile 39 qui représentait 41%. Victoire à l'extérieur 26 qui représentait 27%. Match nul 22 qui représentait 23%. Score le plus fréquent, un but partout qui c'est 11 fois. Match avec le plus de buts qui c'est 5 buts à 2. Alors, on est capable de dire c'est Porto, Shakhtar Donetsk. Madame, messieurs, pour l'équipe qui terminait en première et qui qualifiait pour 8e de finale, mais comment les présenter? Gagne Bayern Munich, gagne Barcelone, gagne Borussia Dortmund, gagne Arsenal, gagne Real Madrid, Manchester City, gagne Real Sociedad, enfin Atlético Madrid. Madame, messieurs, pour l'équipe qui terminait en deuxième, gagne Inter Milan PSV, Paris Saint-Germain, Lazio de Rome, Napoli, FC Porto, RB Leipzig, enfin Copenhague. Adversaire potentiel équipe Paris Saint-Germain, ça veut dire qu'il est capable de jouer dans la 8e de finale là. Il y a Manchester City, Real Madrid, il y a Bayern Munich, Arsenal et Barcelone. Adversaire possible pour l'équipe Real Madrid là, il est capable de jouer dans la 8e de finale. Il y a Copenhague, PSV, Inter Milan, Lazio de Rome, Paris Saint-Germain, RB Leipzig et FC Porto. De l'autre côté, madame, messieurs, la loi Vinicius Junior est désormais officielle au Brésil pour lutter contre le racisme. Li établi un protocole en cas d'insulte raciste. Dans yon match qui a disputé, par exemple, si toutefois tu as gagné une insulte raciste, eh bien, il a obligé de camper le match là pour permettre à ce que vous prenez une décision contre ça. Et Paul Pogba pourrait comparaître devant la justice antidopage italienne le 18 janvier 2024. M'a rappelé que okay, si vous te manquez bien saisi, qui raison qui permet à ce que Paul Pogba pourrait paraître devant la justice? C'est parce que vous avez fait test sur Paul Pogba, et bien test là t'es révélé que Paul Pogba t'est arrivé prend drogue. Alors, on est capable de dire, madame, messieurs, dans 2024 là, il pourrait comparaître devant la justice italienne. L'autre information, madame, messieurs, Manchester City est devenu le premier club anglais à remporter 8 matchs consécutifs en Coupe d'Europe. Alors, on est capable de dire, madame, messieurs, Lamine Yamal est le premier joueur également de 16 ans de l'histoire de la Ligue des Champions à délivrer une passe décisive dans la compétition. Par bon côté, Vinicius Junior, il reprend entraînement individuel pour le capable de continuer à préparer. Merci! Parce qu'on te prend le temps pour te suivre rubrique passeport, mon qui te pote information pour tes amis. Chacun Joseph, à la prochaine pour une autre sortie.